J'ai participé le 2 décembre à une course qui s'appelle la Saint-Élion. C'est une course de 72 km qui, comme son nom l'indique, relie les villes de Saint-Étienne à Lyon. Et qui plus est, de nuit. Et il y a beaucoup de dénivelé. Et en plus, il fait très très froid. Vous posez encore quelques minutes au calme. Ils viennent d'annoncer température moins 7, ressenti moins 15. Écoute, je vais rester là dormir moi. Les quelques minutes de repos avant l'échauffement et après on va aller dehors. Ce sont des guerriers et des guerrières, des modèles de détermination, oui, de courage. Les filles, les gars, oui, cette les nuit gars. On lâche rien jusqu'au bout. La position sur la ligne de départ, 45 minutes avant le départ. Là, on peut dire qu'on est des fous. Un grand merci à tous les gars qui m'ont encouragé sur Facebook. Merci à vous. Départ dans 5 minutes. C'est chaud. Écoute, bizarrement, pas de pression. La gestion, en confiance, le mec. Beaucoup de monde me dit que je suis fou et me demande pourquoi je fais ça. En tout cas, moi, ce que je recherche, c'est vraiment le dépassement de soi. C'est vrai que quand j'y pense, je prends peu de plaisir à courir. C'est vraiment la difficulté que je recherche. Comme tout le monde sait, j'étais sportif de haut niveau. J'ai joué au rugby, je m'entraînais allez, une quinzaine d'heures par semaine. Et j'ai besoin de continuer de m'entraîner, de me faire mal aux jambes. Et dans cette course, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. C'est le seul sport pour moi où il n'y a pas de limitation technique. Mettre un pied devant l'autre, c'est vraiment donné à tout le monde. Je crois que ce qui faisait ma force au rugby, en plus de ma taille, c'était quand même mon mental. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'aide à parcourir ces kilomètres et à me sentir un petit peu meilleur que la moyenne. On était obligé de marcher, même de se donner la main sur toutes les descentes, parce que ça glissait vraiment beaucoup. Le bonheur, c'est vraiment la ligne d'arrivée. Et même sur cette course, en fait, on est à Sainte-Foy-les-Lyons. Pour ceux qui connaissent Lyon, on est sur les hauteurs de Lyon et on commence à percevoir Lyon. On se rapproche du quartier de Gerland. Et là, on recommence à se ressentir fort. Les ailes elles reviennent. J'ai mis en tout 11h et 12 minutes pour finir cette course. C'est de loin la plus longue course que j'ai faite. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais fait le trail de Sancerre de 35 km. J'ai fait tout ça pour avoir un beau t-shirt de finisher. C'est ma plus belle des récompenses. Et celui-là, il va encore faire plusieurs kilomètres avec moi.